Et voilà, on est arrivé chez Julie, où un bon petit déjeuner nous attend. Voici le cloître de la Campagna. Cet ensemble architectural entièrement construit à la pierre blanche volcanique d'Arequipa est un petit bijou pour les yeux. Au centre du patio, une fontaine entourée d'arcades gravées de motifs floraux. Situé à 2335 mètres d'altitude, Arequipa est au pied des volcans Misti et Chachani dans les Andes péruviennes. Fort de ses 1 million d'habitants, Arequipa est inscrit en 2000 au patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Au 15e siècle, la ville fut conquise par les Incas et servit de base importante de ravitaillement de produits agraires pour l'Empire. Plus tard, l'arrivée de l'influence espagnole laissa de nombreuses reliques et architectures coloniales, ce qui nous rappelle ce passé colonial dans cette ville. Et voilà, on va prendre des forces avec Bertrand sur la magnifique place à Arequipa. Voilà, on n'est pas bien là? Ah oui, pas mal, on est heureux. Et puis ils servent copieusement au Pérou. Ils sont pas radins sur les portions. Très généreux. Ah ouais, c'est ça que j'aime bien. Tu te sens accueilli et en plus c'est copieux. Direction sur le mirador de Yanahuara. Situé à côté de l'église du même nom, ce mirador offre une vue spectaculaire sur au moins la moitié de l'immense Arequipa. Et il s'étend dans la plaine et sur son protecteur, le mont Misti, à la stature impressionnante. Sur le belvédère, des poèmes sont gravés le long des arcades, une promenade unique au-dessus de la ville blanche. La plupart des bâtiments de ce quartier ont été construits avec la pierre volcanique blanche, issue de ce Misti. Là, nous sommes à la Cailleron de la Casa Encantada. Et en fait, nous sommes vraiment dans des types de maisons, de rues coloniales avec, eh bien, vous voyez, de la pierre blanche volcanique. Eh bien, d'Arequipa. Sur la place de Caïma, on y découvre l'église de Saint Miguel Archangel, œuvre architecturale érigée en 1730, dont la particularité s'apprécie surtout dans sa façade, un mélange d'éléments espagnols et métis. Ce jour-là, à Arequipa, on fit la connaissance de Macarena, une Chilienne, adorable, spontanée. Il est rare comme ça, par hasard, de rencontrer une telle personne. La magie du voyage. On finit cette journée sur un chemin emprunté à l'improviste et on finit par un panorama exceptionnel que vous ne trouverez pas dans les guides du voyage. Voilà. Donc là, on a le Misti, hein. Je vous rappelle qu'avec Bertrand, eh bien, on va l'affronter. Et oui, c'est 5800 mètres sur 2 jours avec un campement
aux alentours des 4 mm. Voilà, le Misty, il est là. Le Misty, on te respecte. Tu nous fais peur. Et voilà donc, pour l'anniversaire de Bertrand, hein, eh bien, un joli choix. Le zigzag sur la Plaza San Francisco. Voilà, un gastronomique. C'est excellent. Et on a choisi le filet de truite. Le filet de truite avec la petite bière pour accompagner. Et on est en bonne place, on est très très très, très bien placé ici. Voilà. Un cadeau de la part du restaurant pour fêter l'anniversaire. On est à midi là. Les 30 ans de Bertrand. Voilà. Les 37 ans de Bertrand. Feliz cumpleaños Bertrand. 30 ans. 20 ans. 20 ans. 1. Non, on va chanter d'abord. Ah oui, un, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci. Allez. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Merci à vous. Merci, gracias, muchas gracias. Ah ouais, super. Super, les amis. Valez tout. Feliz cumpleaños. Les amis, on a une abuelita. Pour la garder, je l'ai tué, je l'aimais tant. Et que pour la garder, je l'ai tué, pour qu'un grand amour aime toujours. Il faut qu'il meure, oh, qu'il meure d'amour. Le centre historique d'Arequipa est vraiment magnifique. Même s'il faut l'avouer, il n'est pas le reflet du Pérou et de sa société inégale et inégalitaire. C'est vrai que hors de ce centre, les maisons sont inachevées, les rues poussiéreuses, mais c'est aussi le vrai Pérou. Ce qu'on appelle les Pueblos Jóvenes et qui rêvent de devenir propriétaires, c'est eux l'avenir du Pérou. C'est donc à l'extérieur que ces populations rurales ont atterri dans l'espoir d'une vie meilleure pour leurs enfants. C'est ici que l'espoir d'une nation en développement est en train de naître. Julie, notre hôte d'Arequipa, nous invita d'aller visiter le mercado de la ville. Le marché San Camillo est le plus grand et le plus connu d'Arequipa. Il est parfait à visiter le matin pour y boire un jus de fruits. On peut aussi y manger à très bon marché. Ici, de nombreux agriculteurs viennent vendre leurs produits de la ferme. En tout cas, ça vaut le détour de déambuler dans ces immenses étals de fruits et de légumes aux couleurs éclatantes. Thank you.
La structure du marché date d'il y a 135 ans. Elle a été dessinée par Monsieur Eiffel. Je profite aussi de la ville pour prendre du temps pour soi. Ce jour-là, non loin du centre-ville, je choisis un barbier. Il n'y avait personne. Le salon était consacré que pour moi. Cela fait du bien. Cela permet d'effacer les premiers traits de fatigue dus au décalage horaire et aux premières activités du Pérou.